Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée cette semaine à la console de tous les records, la PlayStation 2. Nous allons revenir ensemble sur cette console en parlant de son histoire, de ses caractéristiques, avec toujours plein d'images de jeux. Nous allons commencer par planter le décor vidéoludique de l'époque. Nous sommes en 1998 sur le marché des consoles de 5ème génération. La guerre entre Nintendo et Sega est moins retentissante qu'avant, la PlayStation a remis tout le monde en place. La Saturn et la Nintendo 64 ont échoué face à la déferlante de chez Sony. Pour la 6ème génération, Sega ne veut pas se tromper encore une fois et décide de prendre les devants rapidement en sortant fin 98 au Japon sa Dreamcast, qui ont des atouts indéniables, jeux en ligne, jeux d'arcade de très bonne qualité, mais les ventes ne décollent pas, d'ailleurs elles ne décolleront jamais. La Dreamcast ne sera vendue qu'à 8 millions d'exemplaires après 4 ans d'exploitation. Sony souhaite continuer sa lancée et Ken Kutaragi, concepteur de la PlayStation 1, est devenu PDG en 1997 de Sony Computer Entertainment, la filiale dédiée aux jeux vidéo du groupe Sony. Dès 1998, il planche sur la PlayStation 2 qui sera officiellement annoncée au salon E3 de 1999. Un prototype est soumis, mais celui-ci est refusé car il ressemble trop à la Dreamcast. Sony découvre alors un vieux prototype de console Atari, la Falcon, et décide de s'en inspirer pour le design de la PlayStation 2. C'est au Tokyo Game Show, en septembre 1999, que la console est finalement dévoilée pour une sortie prévue au Japon en mars 2000. La Dreamcast qui ne se vend pas, autant dire que Sony est quasiment sans concurrent direct sur le marché des consoles. La machine marketing va propulser la nouvelle console de Sony, s'offrant même les services de David Lynch pour quelques spots publicitaires. Les publicités de Sony seront toujours dans un ton décalé, loufoque, voire très bizarre parfois, certaines publicités seront même censurées, renforçant la renommée de la console. Le lancement est marqué par un véritable engouement du public, allant même jusqu'à jouer sur la pénurie de consoles, d'où leur fameux slogan « Elle sera à tous, mais tous ne l'auront pas ». Cela provoquera parfois des émeutes, comme celle du Virgin Store aux Champs-Elysées. Presque 1 million de consoles sont vendues en quelques jours au Japon. La PlayStation 2 devait sortir en même temps aux États-Unis et en Europe le 26 octobre 2000, mais à cause de problèmes d'approvisionnement et de difficultés de production, la sortie européenne sera repoussée au 24 novembre, la console sera vendue à 450€. À sa sortie au Japon, la console propose 10 jeux et 29 jeux à sa sortie en Amérique du Nord. Sony reprend évidemment les licences qui ont déjà marché avant, comme Dead or Alive 2, Dynasty Warriors 2, FIFA 2001, Ridge Racer 5, SSX, Tekken Tag Tournament ou Time Splitters. Voyons voir maintenant pourquoi la PlayStation 2 a connu un tel engouement. En effet, la console a beaucoup de qualités malgré quelques défauts. Déjà, il y a la renommée, hein, 104 millions de PlayStation 1 vendus. On est quasi sûr que Sony ne nous vendra pas de la merde, l'image de marque est excellente. Sony ne veut pas lancer seulement une console de jeux vidéo, ils veulent faire de la PlayStation 2 un véritable centre multimédia grâce à l'implantation d'un lecteur DVD qui n'est pas du tout populaire encore à cette époque. On peut dire que Sony et sa console seront un de ceux qui ont démocratisé ce format. Sony réitérera en voulant imposer le disque Blu-ray dans sa PlayStation 3, mais l'impact dans les foyers sera bien moins impressionnant. La force de cette console, c'est aussi son processeur principal, l'Emotion Engine, atteignant quasi 300 MHz au lieu de 200 MHz pour la Dreamcast. De plus, la console sera rétrocompatible avec les jeux de la PlayStation 1, un atout incroyable. Malgré ça, la PlayStation 2 aura quelques défauts. Sony ne misera pas trop sur le jeu en ligne, il faudra attendre 2003-2004 en Europe, alors que Microsoft et sa Xbox auront misé beaucoup sur le jeu en ligne.
Sony tarde à mettre en place l'accès au réseau de sa console, et quand ils le font, ils optent pour un service décentralisé où chaque éditeur développeur est responsable de ses serveurs de jeu et de sa communauté. Du coup, le service est plus complexe à mettre en œuvre, ce que n'a pas fait Microsoft, qui a vite offert un service centralisé, beaucoup plus simple pour les joueurs et les éditeurs. C'est le PlayStation Network qui centralisera finalement le réseau. La PlayStation 2 contient également de nombreux processeurs autres que l'Emotion Engine, ce qui en fait une machine difficile à programmer. Peu importe pour Sony, les ventes de la PlayStation 2 s'envolent. En mars 2001, un an après sa sortie au Japon, 10 millions de consoles ont été vendues dans le monde. Au niveau des accessoires, la manette de jeu reprendra en gros celle de la PS1 et se nommera DualShock 2, avec des boutons analogiques, deux sticks. Il y aura aussi une télécommande, un disque dur et plein d'autres ustensiles divers pour jouer à certains jeux. Sony développera même LightToy en 2003, une petite caméra s'utilisant comme une webcam, utilisable dans un jeu vidéo comme mode de contrôle via la reconnaissance de mouvement. On aura droit à divers jeux comme iToy Play, Groove, Antigrave, Chat et même iToy Kinetic, plutôt marrant Kinetic pour la reconnaissance du mouvement pour Sony. Kinetic. En 2003, Sony sortira même la PSX, une véritable station multimédia comprenant console, graveur DVD, tuner télé, magnétoscope numérique. La commercialisation ne durera que 2 ans à cause de faibles ventes jugées un petit peu trop chères. Un modèle plus compact de la PlayStation 2 sortira en 2004, la PS2 ou la PS Slim. Un changement de design principalement, plus fine, plus légère. Le chargement du disque se fera sur le dessus et non plus frontalement, ce qui augmentera un petit peu le piratage des jeux. Au fil des années, les prix de vente vont baisser progressivement, passant de 450 à 300 euros au bout d'1 an, comme quoi il fallait pas trop l'acheter la première année. La concurrence est littéralement écrasée, la PlayStation 2 possède 70% des parts de marché, et la Xbox et la GameCube sorties en 2002 ne peuvent rien contre Sony, et Sega et sa Dreamcast se retirent définitivement du marché des consoles de jeux. Au total donc, la PlayStation 2 sera vendue à plus de 150 millions d'unités, elle dépassera les 100 millions en moins de 6 ans, alors que la PlayStation 1 avait mis 9 ans. Plus de 1,5 milliard de jeux furent vendus sur la machine et la ludothèque compte plus de 3000 jeux. Sony parle de presque 11 000 titres, probablement en comptant les jeux de la PS1. La PlayStation 3 sortira en 2006, mais la PS2 continuera à être produite jusqu'à fin 2012 au Japon et début 2013 dans le reste du monde, alors qu'elle se vendait encore pas trop mal. GTA San Andreas sera le jeu le plus vendu sur la console avec 18 millions de ventes, suivi à quasi ex aequo de Gran Turismo 3 et GTA Vice City, avec 14 millions d'unités. Même après la fin de la production de la console, Pro Evolution Soccer 2014, sorti le 7 novembre 2013, est officiellement le dernier jeu paru sur la PlayStation 2. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire sur la PlayStation 2, même si elle n'était pas la plus puissante console de cette 6ème génération. Elle a su quand même s'imposer dans les foyers grâce à son lecteur DVD, sa multitude de jeux vidéo, y compris les séries de jeux déjà existantes, les exclus PlayStation. Sa renommée, son engouement auprès du public a fait de la PlayStation 2 une console mythique qui aura marqué beaucoup de joueurs et restera la console la plus vendue dans le monde de toute l'histoire de l'industrie vidéoludique. Ça valait bien une petite chronique quand même. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. À bientôt. Ciao.